They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's stressing me out. They telling me they know what's best, but will I care? Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Captain V qui vous parle. On se retrouve aujourd'hui avec un énorme plaisir sur mon ordinateur. Je vais vous présenter une astuce qui va être vraiment super simple aujourd'hui. C'est une astuce qui vous permettra de visionner un film alors qu'il est en cours de téléchargement. Donc bien sûr, ça se passera sur votre ordinateur, vous pouvez brancher votre ordi sur une télé, etc. pour le visionner dans de meilleures conditions. En tout cas, si c'est ce que vous voulez, visionner un film alors qu'il est en cours de téléchargement, comme si c'était du streaming, sauf qu'à la fin, vous aurez bien le fichier dans votre dossier téléchargement qui sera normalement eh bien juste ici. Donc là vous voyez que j'ai rien. On va télécharger un petit film. Donc je vais aller sur zone téléchargement par exemple. On va aller venir ici, le chasseur et la reine des glaces par exemple. Hop, on a une petite pub. Je quitte, je suis désolé. On descend juste ici, je vais aller sur un lien au hasard. On clique sur continuer. On a encore une pub, voilà. On clique sur le lien. Et ensuite, eh bien, on atterrit sur le site et on va pouvoir télécharger notre film. Donc, il vous faudra le logiciel VLC. Donc, vous tapez VLC dans votre navigateur ou je vous mettrai le lien en description et vous le téléchargez. Ensuite, c'est tout ce qu'il y aura à faire. On va attendre, voilà. Et vous allez sur le site officiel. Je crois que, voilà, c'est celui-ci. On va venir maintenant sur unfichier.com, accéder au téléchargement. On a quelques pubs, mais vous voyez que là, hop, on va avoir notre fichier qui va arriver si on clique là-dessus. Donc là, on l'a ici. Et vous allez voir que là, le petit logo, c'est tout simplement avec mon logiciel Windows, voilà, le lecteur de base Windows Media. Si on le lance avec Windows Media, ça ne fonctionne pas. Vous allez l'ouvrir et l'afficher dans le dossier. Et une fois que vous avez VLC, vous faites clic droit, ouvrir avec, ou ouvrir, ça dépendra. En tout cas, moi, c'est ouvrir avec. Vous choisissez VLC et vous allez voir que si je coupe le son, hop, ici voilà, lire tel quel, et vous attendez, et là votre film va se lancer. Vous voyez qu'on a le film. Si on avance trop loin dans le film, vous allez voir que ça marchera pas. Ici on a tout ça qui est téléchargé, on a déjà 2 minutes 26, voilà, et vous voyez que ça diminue car le reste est en train de se télécharger. Donc c'est vraiment super simple, vous le lancez et vous l'avez sur votre ordinateur. Et une fois le téléchargement terminé, eh bien vous pouvez aller ici et vous faites ouvrir une fois le téléchargement terminé, et là eh bien dans 37 minutes je pourrai accéder au film en entier, le mettre sur une clé USB et me le mettre eh bien sur ma télé, sur mon décodeur, etc. Donc voilà, c'est super simple, vous pouvez tout simplement le faire avec juste ce petit logiciel VLC. J'espère que ce tutoriel vous aura plu car il était vraiment très court. En tout cas, on va passer tout de suite à la deuxième partie de la vidéo, je vais présenter la chaîne d'un abonné. Aujourd'hui les amis, je vous présente la chaîne de Saga Geek, ça fait 4 mois qu'il est là, vous pouvez voir la présentation de sa chaîne en description. Si ça vous intéresse d'aller voir ses autres vidéos, il fait tout simplement des gameplays et des petites vidéos sur des jeux indés. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous irez voir sa chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos tuto sur la chaîne. Ciao !